All the times that you ain't in my brain, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, but I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want any ending. Can I still care? I don't. But you still hit my phone up, and baby, I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. Oh baby, you should go and love yourself.
Amis du soir, bonsoir et bienvenue pour ce troisième round, la grande finale de ce championnat de la Stupid Rice. Au programme de soir, donc ce troisième round à Lille, je vois juste un message à Gauthier avant. Voilà, c'était juste pour le prévenir que j'avais lancé. Voilà. Donc oui, au programme de soir, troisième round de cette Stupid Rice, la grande finale. Est-ce que Ben McLeod va réussir à maintenir son titre? On va bien voir si ça va passer. On espère bien. Track assez technique cette semaine. Donc ça va être très très intéressant à voir, qu'il y aura pas mal de rebondissements. Et oui, je suis toujours Hugo Cressant, alias MXWay, et j'aurai la lourde tâche de vous commenter pour la troisième fois cette course. Toujours en compagnie de Gauthier Dubois, bonsoir à toi. Bonsoir les gens. Et oui, on espère voir du beau spectacle ce soir, donc on verra bien. On va déjà découvrir la piste pour commencer. Je vous mets tout de suite la vidéo. J'étais un peu à la bourre aujourd'hui, donc j'ai pas pu prévoir tout ce que je voulais. Voilà, c'est parti. Commence une piste comme vous pouvez voir avec beaucoup d'enchaînements rythmés. Vraiment, il y a pratiquement que ça, il n'y a qu'une grosse strip que vous voyez sur la gauche ici. Là vous voyez l'un des croisements assez phares en fait, où il n'y a vraiment pas possibilité, on est obligé de sauter dans un sens, dans l'autre on a plus de choix. Et c'est pas des doubles traces qu'on avait sur la première round. Là on est à l'arrivée avec le petit up, une petite épingle sur le plat pour repartir sur un petit double. Là où il y a un autre croisement ici à ce niveau-là. Là c'est la grosse strip, la seule strip du circuit. Et voilà, par exemple, un enchaînement rythmé, là, on peut faire un gros quadruple, si je me rappelle bien, ou un quintuple, qui est vraiment énorme avec le gros triple où on saute justement au-dessus du croisement. Et je pense qu'à cette hauteur-là, on peut sauter au-dessus des autres personnes qui passent le croisement. Donc, on est parti pour un tour, on va voir ce que ça donne sur un tour. L'arrivée, double assez court comme d'habitude. La petite épingle, comme je vous le disais, hop, épingle à droite, et ça repart. Le petit double avec le croisement ici où ça se croise à 90. Petit simple pour aller sur les hoops, même hoops que la semaine dernière, voire même encore plus simple. Le petit mur derrière est assez compliqué, faut vraiment pas mal freiner. Premier enchaînement rythmé où là on peut faire des gros enchaînements genre la triple, quadruple, triple, double, mais il y a vraiment on peut vraiment tout faire dans ces lignes, c'est ça qui est intéressant à voir. Là par exemple pour faire des step on step off on peut sauter directement en triple, 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 double. Donc ça passe bien aussi, là on peut faire triple, triple ou double, double, double. Il y a vraiment beaucoup de choix sur cette piste, c'est ça que j'aime bien. Pareil là je plonge intérieur mais on peut prendre extérieur pour prendre l'appui, sauter, arriver directement sur la table. Pour passer après en step off. Le petit dragon qui passe en simple en double, moi j'aime bien le prendre en simple pour piquer intérieur, comme je faisais là pour repartir sur le double, triple, et c'est ici en fait si on prend bien, on arrive à sauter en quadruple, je pense que je disais, et ressauter en triple derrière. On arrive sur le deuxième croisement, et le dernier croisement qui est juste là, sur un double assez long, à fond, réception dans le sable, avec un tout petit mur pour prendre la start line à l'envers, on arrive directement sur l'arrivée. Donc on va bien voir ce que ce track va donner, mais on va voir tout de suite sur le serveur. Excusez-moi, je suis pas allé sur le bon. Ici, je suis sur le bon normalement. On va le voir le serveur. Yeah, je suis bien sur la course. Voir un peu ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il y a du monde qui roule. Non, pour le moment, non. On attend le. Non, le. Lui, il dégrade bien de. Ouais, c'est ça. Il vient d'être fait. Oui. Ah, il est encore fait, il vient de restart pour le faire. Un peu, avec un nouveau système, il y a des serveurs gate un peu ratés sur le chat. Ouais. Un nouveau système du UID grab qui est automatique cette semaine, donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis du UID, donc ça c'est intéressant. Je voulais faire un point aussi avec vous sur les qualifications. Mais rien d'étonnant cette semaine, on a eu un peu moins de monde que les autres fois. Mais on va se faire un point rapidement avant qu'il lance la course. Hop, qualification. Round 3. Je vous mets ça assez gros pour que vous puissiez bien le voir. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Ici. Voilà. Donc on a toujours encore un Ben McLeod qui nous a fait un 1-4. Un temps juste énorme pour ce premier temps. James Armstrong qui est un nouveau pilote. Je crois qu'on l'avait pas vu sur les premières rounds. Donc il nous a fait un beau 1-8 d'ailleurs. Tous les temps sous l'Indy, ça commence à être intéressant.
Maxime Underbeek, qui est actuellement troisième, si je me rappelle bien, quatrième ex aequo. Donc ça va être sympa. Stéphane Guido, le deuxième. Florian Lambillon, qui est, je crois que c'est lui qui est ex aequo avec Maxime Underbeek. Je vais vérifier ça tout de suite et je vous redis ça. Résultat. Oui, c'est ça. Hein. C'est Maxime Underbeek et Florian Lambillon qui sont ex aequo pour la troisième place. Donc il faudra bien suivre cette bataille. Ça risque d'être intéressant entre ces deux pilotes. Et d'ailleurs, ça suit. La qualification n'était pas très très serrée, hein. Elle est en 1.27, donc c'est largement faisable. Et on n'avait que 37 participants pour ce troisième round. Je pense que ça vient du fait que le track a été publié assez tard. Mais bon. On a quand même pas mal de monde. Les hits ont été annoncés. Hit 1, Ben McLeod, Antoine Delestre, Florian Lambillon, Thibaut Mocard, Johan Letestu, Nolan Servès, Théo Charpentier, Clément Vasseur, Dorian Georges, Tom Von Marty, Thomas Pilandre, Kevin Meyer, Diego Ross, Martin Constant et Logan Touchek. Je te laisse annoncer le hit 2 si tu veux. Donc dans le hit 2, nous avons Maxime Van Der Beek, Stéphane Guido, Florian Corrible, Emilien Marbru, Baptiste Terranon, Mathias Ivy, Julien Touchek, Adrien Prieto, Jérémy Patrel, Théo Prévost, Timothée Lucas, Pablo Bodino, Maxime Rouet et Corentin Bertrand. Fait 14 pilotes, il manque un pilote. Il manque non, c'est des hits à 16. C'est des hits de 16, hein, il manque un peu de monde, ça. Ouais. Comme sur les c'est précédents, on n'a jamais fait à 16, je crois, je suis pas sûr, je peux pas vous dire. Oui, le concours de la semaine dernière, qui a gagné? Suspense. Pas eu beaucoup de participants, une petite quinzaine, et c'est justement, je viens d'y penser, Tom Von Marty qui a remporté son kit déco réalisé par MXS Design. Merci à toi, MXS Design. Et félicitations à Tom Von Marty. Ce soir, on va refaire un tirage après le LCQ. Donc, je vous invite à rester jusqu'après le LCQ. De toute façon, après le LCQ, c'est quand c'est le plus important, avec la consolante et la finale les plus intéressantes. Donc, on refera un petit tirage. On fera un tirage au sort. Et pareil, je vous serai annoncé soit sur Facebook ou soit je vous mettrai la vidéo sur ma chaîne secondaire. Mais voilà. Félicitations à lui. D'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais remercier encore une fois nos sponsors, hein, 24MX pour ses nombreux lots. Just For You Perso qui va nous réaliser normalement 3 maillots pour les 3 premiers. Et ainsi que MXS Design du coup, qui réalise un kit déco, un rendu pour les 3 premiers et 2 kits déco pour les spectateurs. Et ça, c'est sympa qu'il y ait des lots pour les spectateurs aussi. On attend le restart. On verra bien ce que ça va donner. On voit un peu quand ça va partir, ça devrait plus trop tarder, je pense. 21h06. On est dans les temps. Va-t-on être dans les temps ce soir? On verra bien. Oh, qui a que. Nolan qui a été disconnecté. C'est parti pour warm-up. Ah, ça y est. On est pile poil dans les temps. On a pu annoncer tout ce qu'on voulait. Let's go! Ouais, si vous voulez tous venir sur OpTV, ça me dérange pas, mais moi j'ai les deux chats, je vois les deux en même temps, vous inquiétez pas. Hop. On va se mettre sur Ben McLeod, voir s'il va réussir à nous faire le shot. Ouais, Tom Farty, je te recontacte plus tard pour te dire la démarche qu'il faut suivre pour recevoir ton lot, mais oui, je te contacte par mail. Ben McLeod qui a choisi de partir un peu derrière. Oh bah ok, qui lance des backflips. Oh, c'est accident. Bon accident, c'est Théo Charpentier qui est parti en tête du warm-up. D'ailleurs ça se bat dans les hoops. Nolan Servès. Ah. Ben qui nous a refait un gros flip sur ce petit pain de sucre. Oui, on risque d'avoir pas mal de chutes dans ces enchaînements rythmés. Donc on verra bien ce que ça donne. Clément Vasseur qui fait son grand retour. Bac 2016. Ouais, je pense qu'il était occupé. Il en a aussi pas joué, donc on va voir ce que ça donne. Quand même un bon prétendant. Enfin, pas pour le titre, mais pour faire un bon résultat, pour une place en finale. On rappelle qu'ici, on est sur 8 tours avec les 8 premiers qualifiés. Et les autres passeront par le LCQ. Qu'est-ce que le LCQ? C'est une course de repêchage. 4 tours, on prend les 4 premiers. Ultra express, c'est vraiment intensif. Et souvent, la course qui est plus sympa. Non, Christophe, il roule pas ce soir. Non, le track est trop compliqué pour lui et comme pour le round 2, il préfère ne pas rouler. Comme ça, il gêne personne
et c'est aussi bien pour tout le monde. Même si c'est vrai qu'il aurait bien aimé rouler, mais peut-être pour les prochains événements il pourra rouler. Sauf que cette piste est très technique par rapport aux autres. On verra ce que ça donne. Donc nous avons Clément Vasseur qui a remporté ce warm-up, suivi de Florian Lambilon et Ben McLeod. Je fais tout tomber. Bonjour à tous les viewers. Bonjour, bonjour. T'as combien de personnes là en tout là? Un peu plus de 40. Moi je vois qu'un dans la soirée. Je vois qu'un seul compteur, celui du sur la Stupid Ice. Sur le site de la Stupid Ice. Ah bah c'est les deux cumulés normalement. Ah mais ah bon, d'accord. Ouais. Peut-être que je vais vérifier. Hop. Oui c'est ça, c'est bien ça, c'est les deux cumulés, ceux que tu vois. Il y a un bug alors, parce que je vois 12. Tu vois? Je vois que 12. Moi j'ai 44, je viens d'aller dessus, j'ai 44. Ouais, 43 là. Tu dois avoir un petit bug. Ouais. C'est parti, hit 1, annoncé 15 pilotes, 8 tours, 8 premiers qualifiés. Va-t-on avoir des surprises? On ne le saura jamais. Enfin, on le saura à la fin de la course. Car sur l'Eximulator, il y a toujours des rebondissements. Moi, j'ai quand même hâte de voir les traces de Ben. Ouais, moi aussi, parce que c'est vrai que on peut faire soit des enchaînements assez sûrs dans les enchaînements ennemis ou faire des gros quadruples. Mais vraiment, il faut arracher la moto. Ça, ça va être intéressant à voir. On va... Je pense qu'on va se mettre sur... Dorian Georges, tiens, mettons-nous sur Dorian Georges pour le shoot. Ouh, ah, qui t'a dragué, dommage. Eh, ça profite à Thibaut Mocquart. Ouh, très beau Thibaut départ Mocquart, de Thibaut Mocquart. Magnifique shot. Ouais, vraiment très bien parti. Ah, seul shot. Celui de Florent. Florent Lambillon, deuxième. Florent Lambillon qui roule très très fort aussi, hein, depuis peu. Théo Charpentier et Ben qui est déjà quatrième. Ouais. Ben à suivre, hein. Oh, Ben qui passe troisième là sur une chute. Qui choisit de passer sur la table et de sauter derrière. Ah, qui choisit les step-up, step-up. Assez étonnant, j'aurais pensé qu'il aurait été plus quadruple. Ouh, il repasse directement. Deuxième. Il fait double-double. Ça passe très bien. Ouh là, directement sur... Il passe en tête. Très belle attaque de Ben. Je vous disais avec le step-up, step-up qui passe très bien. Il pique inter. Enchaînement, petite bataille pour première place entre Ben et Florent. Et Ben qui passe sans souci, hein, les enchaînements. Juste vous augmenter un peu le son. Oh, Ben qui perd, qui passe par, par devant, qui essaye de sauter le petit pain de sucre. Ça profite à Florent. Florent qui est bien parti, hein, pour ce premier. Il veut vraiment assurer sa place et aller chercher la troisième place, c'est quand même l'objectif pour lui, hein. Je pense que la première et la deuxième place. La première, c'est pratiquement sûr qu'elle est plus atteignable pour lui. 36 points, 50 points. Non, il a déjà 20, presque 14 points de retard. Ouais. Donc la bataille va vraiment être entre Ben McLeod et Stéphane Guido pour la. Oh, il a glissé bizarrement. Pour la première et deuxième place. Et Florian Lambilon et Maxime Van Der Beek. Florian Kahn aussi, je sais pas s'il est, s'est inscrit cette semaine. J'ai pas fait gaffe. Qui a 31 points. Donc il y a pas mal de bataille pour le top 5. Il reste d'ailleurs pas mal de rebondissements. Ça va être intéressant à voir. Croisement qui passe sans souci pour ces deux pilotes. Logan Tuchek, troisième. Ah, Florent qui perd les pieds juste avant le triple. Ah, dommage. Je profite à Logan et à chercher. Oh, Logan qui a fini taper. Qui repart bien. Thibaut qui passe troisième du coup. Thibaut Mocquart. Cinquième, Antoine Delestre. Antoine Delestre. Ah, Florian et Antoine qui ont rush. Ah. Se sont reprochés. Pas mal de chutes, hein, comme c'était prévu. Voilà Antoine qui est juste là, qui arrive sur cette section. Figuros 6ème. Il fait une erreur. Martin qui chute aussi, qui profite à... Ouh, Johan de passer à la 7ème position. Kiwi profite de prendre que des doubles, qui passe bien. Clément Vasseur 8ème, donc pour moi qui est le dernier qualifié. Et le premier non qualifié qui est Martin Constant. Ouh, qui se met un gros coup sur le triple. Ouh, j'aurais pas été à sa place.
On va suivre un peu petite bataille ici entre Thibaut Mocquart et Florian Ambilon. On va suivre un peu comment ça va se décanter. Thibaut Mocquart qui avait pas réussi à rentrer une finale, le Main Event la semaine dernière. Il s'était arrêté au LCQ. Beaucoup de pilotes qui choisissent de prendre cette trace. Hein. Ouf, le croisement qui est passé tout juste, mais c'est passé pour Florian. Est-ce que ça va être passé? C'est passé aussi pour Thibaut Mocquart. Logan Touchek qui vient se mêler à cette petite bataille aussi. Donc pas mal de rebondissements pour cette quatrième place. Et pour le moment, ça roule sans souci. Devant, Ben est déjà parti très loin, hein, plus de 20 secondes d'avance, Ben comme à son habitude. Ben est légèrement au-dessus du lot. Et par contre, Thibaut Mocquart qui laisse passer Logan limite. Ça va peut-être être le premier qui va remporter. Toutes les semaines, il a un peu de mal à se mettre dedans. Et Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, il est direct dedans. Souvent, on a souvent l'habitude de le voir à demi-teinte dans ses hits. Premier, je crois qu'il est fait 6e ou 5e. Il était très très loin. Ouais, c'est ça. Deuxième, à peu près pareil. Et là, il est parti vraiment en tête dès le début. Tant mieux pour lui, hein. Moins de stress. Et ce soir, peut-être que Thibaut Mocquart va se qualifier directement au final. Ouais, ce sera peut-être la première fois, il va pas passer par le LCQ. Ouais, et on peut le rappeler, la semaine dernière, il n'a même pas été en finale. Non, il a fait la consolante et en plus, il avait pas roulé super fair play. Je me rappelle. Ouais, il y a eu des petits découpages de pilotes. Pas mal de monde. Donc, hein. Florent Billon qui est chuté, du coup, Thibaut Mocquart est deuxième. Ah, qui chute à cause de la peur. Aussi. Pas mal de batailles, hein. Thibaut Ambillon qui en profite, ou qui passe pas les triples, qui faire double pour assurer. Mais ça passe sans souci pour ça, lui. Logan Touchek qui est toujours quatrième. Ouais, Florent qui chute. Pas mal de rebondissements. Qui fait chuter Thibaut Mocquart. Thibaut tape dans Florian. Ouais, et ça profite à quel pilote dans ces deux? Je pense que Florent va repartir avant. Ouais. Florent, il y a beaucoup de pilotes à terre ici. Ouais, pas mal de. Ouais, dans cette intersection. Logan qui est revenu. Logan qui est passé troisième. Oh, Florent qui rechute. Oh, rechute. Profite à Thibaut Mocquart de passer. Ouais, pas mal de chutes, hein, on l'avait prédit, hein, pas mal de chutes dans ce premier round. C'était prévisible. Florian qui est juste là, qui vient de passer le croisement. Antoine Delestre qui est très loin derrière, hein, quand même. À plus de 40 secondes sur top 4. Donc il faut assurer. Derrière lui, c'est pas très loin. Hein. Johan Letestu est juste derrière lui. Mm. Clément Vasseur n'est pas loin non plus. Il reste derrière pas mal de batailles, hein, bataille pour ce top 8. Pour moi, on a Théo Charpentier qui est le dernier qualifié. Kevin Meyer qui est vraiment à 30 secondes de Théo. Ça va être difficile pour lui d'aller chercher la qualif. À part si Théo Charpentier fait beaucoup d'erreurs, mais. Ouais, là il est relayé, tour, ouais, 30 secondes en retard, c'est un peu plus de 3 chutes pour Théo et aucune pour Kevin. C'est vrai que. Ouais. Kevin qui s'est très très peu entraîné, hein, pour ce round, donc déjà le voir à la 9ème position, c'est assez étonnant. C'est déjà bien pour lui. Mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi, cet arrêt. S'arrêter au pied des qualifications. Oui. Mais bon, qui sait, peut-être que ça va jouer au qualif, mais ça m'étonnerait quand même. 30 secondes, c'est un peu beaucoup. Diego Ross qui galère un peu à passer ce virage. On va les voir en tête, parce qu'il y a une bataille pour la 2ème position. Ouais, avec Florent et Logan. Les deux pilotes MFG Racing sur leur Suzuki qui réussit à passer où l'intérieur de Thibaut. Non, Logan. Ouais, de Logan. Logan qui fait le quadruple. Ouais, ah, dommage. Qui profite pas, qui a mal à enchaîner derrière, sinon on aurait pu doubler Florian, je pense. Attention, la chute. Ouh, le croisement. C'est passé tout juste pour Florian. Florian qui a très bien anticipé. Ouais, c'était vraiment passé. Tout juste. Ah, belle bataille, hein. Ouais, belle bataille. Un pilote qui choisit de faire double trip simple, mais ça a l'air de double, l'air un peu de mieux passer quand même. Deux pilotes qui ont vraiment pratiquement là. Ouh, à l'intérieur. Logan qui essaye d'attaquer, hein, qui titille l'intérieur.
Ils savent qu'ils ont de l'avance, hein, qu'ils peuvent batailler. C'est quand même intéressant, on est presque à un tour de l'arrivée. Et Logan qui passe. Il loupe son enchaînement. Avec un gros enchaînement de sa part. Ouh, ce qui glisse dans le virage. Il a eu la chance, il a pas trop chuté. Il est fair play, il repart derrière, il gêne pas pour repartir. Florian Bilon qui arrive à repartir du coup devant. Va-t-il réussir à garder cette avance sur le dernier tour? Encore deux tours pour eux. C'est-à-dire qu'il passe pour Florian. Florian qui se met très long sur ce saut double. Permet à Logan de revenir pas mal. Logan qui passe dans ses hoops. Très beau dépassement de sa part. Florian qui retente les enchaînements et ça passe mieux pour Florian. Qui reprend l'avantage. Comme quoi les enchaînements sont très très importants sur cette ronde. Ouf, Logan qui s'est mis une frayeur sur ce step off. Mais ça passe. Double trip simple. Assez étonnant de voir ça. Florian qui est toujours derrière. Ouais, qui essaie de tenir. Qui est gêné par Dorian George. On l'a permis, c'est bon. Dorian qui s'est écarté. Qui est très fair play. Florian est toujours présent. Nous le remercions. Ah non, c'était Kevin Meyer, excusez-moi. Florian qui anticipe très bien les croisements. Je sais pas si t'as remarqué, il arrive à bien freiner. Ouais. Ah oui, il fait très attention. Ouais, bah, de toute façon, là, il est 3ème. Ça sert à rien d'attaquer plus fort, autant assurer la 3ème position. Ben McLeod est inatteignable, hein, 45 secondes d'avance. Il a juste Logan Touchek derrière lui, Clément Vasseur est à 30 secondes. Comme je vous disais, Clément Vasseur a un nom à retenir quand même pour le main event. Donc ouais, il a juste à assurer ce dernier tour, surtout que ils sont dans le dernier tour. Faut juste assurer, ça passera sans souci. Logan qui passe. Kevin qui a remonté 8ème apparemment. On va voir un peu le tour dans ce dernier tour. Donc ouais, on a Ben McLeod qui vient de finir 2ème, qui a mis un tour au 5ème juste à la fin. Logan Touchek 2ème, 3ème on a Florian Lambilon, 4ème on a Clément Vasseur qui a chuté, je le voyais plus, il était caché par le mur, qui a chuté juste devant le mur. Du coup 5ème Antoine Delestre, 6ème Johan Letestu, 7ème Thibaut Mocard, 8ème Kevin Meyer qui a réussi à revenir dans ce qualifié. Ouais, Kevin Meyer qui est juste suivi par Théo Charpentier qui a fait une erreur. Dommage pour lui, il avait 40 secondes d'avance quand même. Ouais, on va suivre un peu comment ça se passait. S'il arrive à finir. Il chute juste avant. Ouais, Thibaut Mocard a déjà passé. Forcément. Ah, Kevin qui a du mal à repartir. Ouais. Mais bon, il avait. Heureusement qu'il avait de l'avance. Ah, c'est au Charpentier qui chute, dommage à lui. Il aurait pu essayer de jouer. Ouais, les pénalités. Les pénas. Ça jouer. Maintenant, du coup, Théo Charpentier qui est le premier déçu. Et qui devrait passer par le LCQ. 10ème, on a notre Dorian Georges qui est pas mal remonté. Qui était très loin et qui est pas mal remonté. 11ème, Nolan Cervès. 12ème, Fan Marti. 13ème, Diego Ross. 14ème, on a Thomas Piland qui va finir son tour tranquillement. Martin Constant, 15ème. Et on a fait le tour pour ce premier hit. Pas mal de bataille. Une belle bataille pour la deuxième place entre deux pilotes des MFG. On va voir si on va avoir autant de batailles pour la suite. Il y a Christophe qui propose un fil rouge pour ce soir. Regardons le fil rouge. C'est une connerie. On s'en bat les couilles, Ouais. Ah, ok. Les couilles. Le fil rouge, j'ai juste vu le début, j'ai vu on arrête. grand favori. Maxime Van Der Beek, je pense. Stéphane Guido, j'avais pas vu que Stéphane Guido. Stéphane Guido qui est le favori pour ce hit. Mais comme on peut voir, il y aura sans doute du rebondissement. On a Maxime Van Der Beek qui est présent aussi. Quentin Bernard
Emilien Mabruk qui a fait une belle course la semaine dernière. Mais oui, Mathias Avi. 14 pilotes pour ce Hit 2. On va voir ce que ça va donner. Moins de pilotes qui sortiront du lot comme Ben McLeod, donc ça va être plus intéressant, même si Stéphane Guido roule très très fort. Mais ça va être quand même plus intéressant pour la première place, pour la victoire de ce Hit 2. On va voir ce que ça va donner. Oh, tu t'es déconnecté? Ouais, je reviens vite fait. J'ai modifié une caméra. Mais c'est bon, me revoici. Vous inquiétez pas sur le live, vous inquiétez pas. Flamin qui s'amuse à charrier. Je ne vois pas Stéphane Guido. Ah si, voilà. Je croyais qu'il n'était pas là. Me revoici. Du coup, qui a remporté ce... Baptiste Serranon, qui a remporté ce warm-up. Ah, Baptiste Serranon. Ouais. Julien Touchek. Deuxième. Qui est 2,50. 2,50 de temps, ouais. Emilien qui s'est coincé dans le dragon, dans le petit mur. Alors, ça va donner. Un peu ce que ça va donner par la suite. On attend le restart. Tous les pilotes ont l'air d'être présents. On va voir un peu ce que ça va donner. Stéphane Guido qui a fini très loin, 9e. Après, c'est qu'un warm-up. On a l'habitude de voir souvent des pilotes qui s'amusent plus qu'autre chose en warm-up. Donc on verra bien par la suite ce que ça va donner. Et ça risque d'être intéressant à voir tout ça, je pense. Petit restart, on est parti. On va se mettre sur... si je trouve, Stéphane Guido pour le start. Ça risque d'être intéressant à voir, comme je racontais encore depuis tout à l'heure. Intéressant, intéressant. Stéphane Guido qui part tout d'intérieur. Attention au départ. Et ça part pas en le shot. Ça part en le shot pour Maxime Van Der Beek. Van Der Beek qui fait un très très bon départ. Et je le shot pour lui. Stéphane Guido deuxième tout de même, hein, qui a fait un très très bon départ. Maintenant faut assurer sur 8 tours. Et parce que pour lui c'est vrai que passer par le LCQ rajouterait un stress quand même. Hein. Mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de surprises. Emilien Marbru, 5e, Julien Touchek. Bon, on rappelle que c'est que le premier tour. Il risque d'y avoir pas mal de surprises. Oh, une petite Yus Verna en dehors du track. Mathias Savi, 4e. Ouais, qui a terminé 4e. Oh, qui passe. Mathias Savi, il fait tomber Julien Touchek. Mais ça passe. Ça passe. Du coup, on a Stéphane Guido qui est 2e. Maxime Van Der Beek qui est toujours en tête. Qui assure pas mal en faisant des doubles. On va faire des enchaînements assez basiques, mais bon, des fois la régularité paye plus que la rapidité. Stéphane qui revient fort quand même. On va suivre un peu cette bataille pour la première place, voir qui va réussir à imposer son rythme dès les entrées du premier tour. C'est vrai que les premiers tours sont quand même importants. Imposer son rythme et réussir à être régulier et mettre la pression aux autres pilotes. On va suivre un peu tout ça. Et ouais, du coup, Maxime Van Der Beek qui a très peu de chance d'atteindre la deuxième position. Mathématiquement c'est possible, hein, mais il faudrait que Maxime que Stéphane Guido ne marque pas de points ou très peu de points. Donc Stéphane Guido qui chute. Qui profite à Mathias Savi qui est passé deuxième du coup. Très bon départ de sa part, qui avait fait le shot au
au round 2. Très très beau départ qu'on avait un peu raté avec mon souci de caméraman qui avait voulu se mettre en grève juste avant la course. Mais ouais, qui avait fait un très bon départ. Bon, après derrière il était un peu roulé un peu moins fort, du coup il a pas réussi à maintenir l'avance. Mais ça souvent un souci des pilotes, la petite régularité qui manque sur la piste, ouais. Une piste technique comme ça, pas évident. Hein. Très difficile. Hein. Ah, Stéphane Guido qui tente les trips derrière Mathias mais qui se met court. Ouh, qui a failli taper dans le croisement. Bon, Stéphane. Stéphane qui a du mal à revenir sur Mathias quand même. Pour report, tu m'envoies ça comment? Tu m'envoies ça via le contact, le formulaire sur le site. On traitera ça après la course. Stéphane Guido qui passe tout difficilement le mieux, mais ça passe. Baptiste Aranon, qu'on avait pas vu, je pense que c'est sa première participation. Ouais. Qui est pas mal parti, hein, qui est actuellement 4ème. Théo Prévost 5ème. 6ème, on a Emilien Mabru de la Brotech Family. Adrien Prieto pour la 7ème place. Et 8ème, on a Florian Corumble en bataille avec Julien Touchet, qu'on va suivre un peu cette bataille. Julien qui a pris un très mauvais départ. Ouais. Avec son 250 de temps qui chute, qui met tout de suite fin à cette bataille. Et ça, Pablo, Pablo qui va profiter à essayer de revenir dans les points actuellement 9ème. Il faut rouler un peu plus fort si on veut pouvoir remonter et se qualifier dès le début. Sinon, il y a le stress du LCQ. Oh, Mathias Savy qui chute en sortie de sable. Stéphane Guido qui passe. Ouais, bon. Et qui dépose Mathias. Théo Prévost qui est juste derrière avec Baptiste. Serra, non? Ouais. Cool, cool. 3 pilotes, 4 pilotes là pour la deuxième place. Stéphane Guido qui est un peu plus devant, mais qui reste la petite erreur et ça passe. Hein. On va suivre un peu comment ça se passait pour ces 4 pilotes. 3 250 et 1 450. Petit avantage pour Baptiste. Qui saute sur Théo, dommage. Surtout sur cette piste où les 450 sont vraiment avantagés pour faire des gros enchaînements. Alors Stéphane qui se détache du lot, qui commence à rentrer dans sa course. Qui roule pas mal du tout. Théo Prévost, 3ème hein, du coup. De la squad création. Mathias Avi 5ème, Baptiste Serrano 6ème qui est toujours ici. Mais qui perd des places tour après tour. Donc il va falloir tenir. On est qu'à à peu près à mi-course. Encore Oula qui choisit de prendre l'extérieur ici. Assez étonnant. Pilote qui pique pas intérieur. Ouh, qui passe. Ouh, très beau enchaînement de sa part. Et qui. Pouh, qui. Ça va. Il s'est pris un lapeur, mais c'est passé quand même. Un lapeur qui a sauté sur Baptiste. Théo Prius qui est coincé derrière la pluie. Théo qui rentre par 5ème. Derrière on a Emilien 6ème et Emilien Mabru qui chute. Adrien Pietro qui vient prendre sa place. Nouveau pilote aussi, je sais pas son nom me dit rien. Mais je me trompe non, peut-être. Non, s'il était déjà présent. T'es déjà présent? Ouais, parce que j'avais déjà du mal à dire son nom de famille. Oui, c'est peut-être ça. Ouais, ouais. Ouais, moi, tu me rappelles de ça. Voilà, oh, encore horrible, 7ème. Et notre dernier qualifié, Emilien Mabru qui chute pas mal là. Il a du mal à chercher la régularité sur cette course. Pablo 9ème qui chute à nouveau. Emilien Van Der Beek qui assure très très bien cette course. Qui tourne en une 9. Qui est Maxime déjà... Van Der Beek. Maxime, j'ai dit quoi? Emilien Van Der Beek. Maxime Van Der Beek qui vraiment assure bien. Et qui roule plutôt fort, qui fait des gros enchaînements et ça passe plutôt sans souci. Je voulais voir au niveau des qualifications combien Maxime s'est qualifié. 3ème, ouais, qui a fait ses 5 courses, donc c'est le premier à avoir fait son quota complet. Hein. Ben McLeod et James Armstrong qui n'est pas présent ce soir. James n'est pas présent et qui a fait que 2 courses.
étonnant des pilotes comme ça qui viennent, qui font juste les qualifications et qui font pas la course. C'est assez embêtant pour les organisateurs. Et bon, c'est pour ça qu'il faut automatiser un maximum de choses, dont lui des grabs, pour pouvoir faire l'hit le plus rapidement possible. Car souvent, s'il y a du retard, c'est à cause des gens qui sont absents et qui ne se désinscrivent pas de la course. Derrière, on a Stéphane Guidoux qui est un peu gêné par un lapeur. Mais pas de soucis pour lui. Mathieu, c'est lui qui est repassé quatrième. Qui assure bien. Et Baptiste qui a réussi à revenir troisième. Je suis mauvaise langue, je disais qu'il perdait des places, mais non. Ça passe plutôt bien pour ces quatre pilotes. Pas de gros écart, hein. À part entre Maxime et Stéphane, il y a 20 secondes. Entre Stéphane et Baptiste, il y a 22 secondes. Et après, c'est serré, hein. 5 secondes, 3 secondes, 10 secondes. Ça alterne un peu. Mais c'est assez serré, hein, pour cette quatrième place. Rien n'est fait encore. Et c'est serré jusqu'à la 9ème place. Donc vraiment rien n'est fait pour ces pilotes. On entame l'avant-dernier tour. Mathias qui repasse et qui prend la 3ème place sur une faute de Baptiste. Petite bataille entre Adrien Prietro et Théo Pruvost. Oh, qui chute dans l'oops, c'est assez étonnant. Les oops qui sont très très simples pourtant. Mais petite erreur de sa part. Rien de grave, mais bon. Il faut le signaler quand même. Nous avons perdu Gauthier. Maxime qui fait une petite erreur ici. Bien, bien alarmant, de toute façon il a de l'avance, il a 25 secondes. Ah ouais, désolé, mon micro était désactivé, je sais pas pourquoi. Pas de soucis. Tu dois avoir un raccourci clavier, t'as dû appuyer dessus ou. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, j'étais en train de regarder Théo Prévost qui se faisait pas mal gêner par un lapeur. Non, moi je l'ai vu chuter dans les oops, mais. Ah, juste avant en fait, il était pas mal gêné par. Qui va prendre un tour par Maxime. Maxime qui met un tour sur le 6ème. Donc en fait ça a roulé Théo qui profite de repasser sur une erreur de sa part et de pouvoir gratter un petit tour en plus. Même si dans son cas c'est limite nul en fait de freiner et d'attendre. Mais bon. Ah voilà. On va faire un tour de plus, mais bon. De toute façon là il va passer, le 7ème va passer derrière, donc normalement sa 6ème place sera assurée. Adrien qui est très loin en plus. Florian, voilà, qui vient de passer. Et on a notre 8ème, Emilien Mabru, qui est passé tout juste, mais qui a réussi à se qualifier. Pablo, qui sera resté au pied de ses qualifications, même avec les pénalités, c'est pas jouable. Qui se bataille avec Mathias. Bon, Mathias qui a un tour de plus. Et ça passe. On va aller voir un peu en tête de course Stéphane Guido, qui a fini 2ème. 3ème, on a justement Mathias Avi, pilote Suzuki de la MT Factory. Pas sans trop de soucis. Baptiste Serranon qui fait un hit honorable. Qui reste toujours entre la 3ème et la 5ème place. Adrien Prieto qui fait 5ème. Ouais. Je crois que c'est son meilleur résultat, je crois. Ouais, première fois qu'il passe directement. À chaque fois, je pense qu'il passait par la LCQ. Mais ouais, directement qualifié au Main Event. Donc c'est intéressant pour lui. Théo Prévost qui a du mal, qui va aller se qualifier aussi. Et on a fait le tour, Florent Corumble et Emilien Mabrou. Premier non qualifié, Pablo Bodino. 10ème, Corentin Bertrand. Azot Design qui ne roule plus, c'est logique, il a passé l'arrivée. Jérémy Patrel qui a fini 11ème. 12ème, Maxime Roy. Timothée Lucas qui va finir son tour. Qui va finir son tour pour la 13ème place. Julien Touchek qui a une casse moteur. Voilà, qui a une casse moteur visiblement. Passera sans doute pour par le LCQ pour essayer de se qualifier au Main Event. Nous avons un animateur de chat qui s'appelle Flaming Talisker
S'il pourrait nous ramener un peu de monde avec sa grosse communauté, ça nous intéresserait pas mal. Qu'il envoie à ses contacts, je pense qu'il voit de qui je parle, qu'il nous fasse un petit tweet sur Twitter et qu'on passe de 50 viewers à 2000, ce sera intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il demande à Pierre de le retweeter. Non, faut citer personne. Ah oui, pardon. Aïe-Bière. Aïe-Bière, Mister Dayboy, tu vois ce que je veux dire? tous ces gens dans ce principe-là. Donc on a deux hits qui sont passés, petite pause de 5 minutes, le temps de faire les scripts pour LCQ. Et c'est le temps pour vous aussi de me poser vos questions dans le chat, si vous voulez que je vous réponde. C'est maintenant, après le LCQ, hein, donc on a, comme on disait, 4 tours. Top à la machette. Non, c'est pas ça. Moi, je vais en profiter pour aller faire un petit tour là-bas. On va les couper. Moi, je reste en tête-à-tête avec vous, enfin tête-à-tête. Je suis en tête-à-tête avec mon écran et vous êtes plusieurs à regarder mon tête-à-tête, mais... Salut à toi, Code X-Ray. C'est pas très fair play hein, comme pseudo. Qui nous dit bonne chance à la MT Factory. Bonne chance à eux. On a Dorian qui va passer par le LCQ et Pablo, deux pilotes en LCQ. Non, vous n'êtes pas énormément, mais c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à partager hein, si vous voulez qu'on soit plus nombreux. Ça vient de vous aussi, bouche à oreille, ça marche bien. Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Pour quand le prochain concours MX Simulator après le LCQ, je vous en enverrai le lien. Du coup c'est bon, les gars demandent si tu peux lancer le LCQ. Oui. Le concours est bien après le LCQ. Là, on fait le LCQ et je vous envoie le concours juste avant la consolante. Juste que je retrouve le lien, mais je vous l'enverrai. Au moins tout est fait, ça ira plus vite que la semaine dernière. On va voir un peu qui sont... Ah voilà, on a nos pilotes LCQ, Théo Charpentier, Dorian Georges, Nolan Serve, Diego Ross, Tom von Marty, Thomas Pilandre, Martin Constant, Pablo Bodino, Corentin Bertrand, Jérémy Patrel, Maxime Roé, Timothée Lucas et Touchek Julien. Je ne vois personne. Ouais, Touchek Julien qui est peut-être le mieux classé. Ouais, Julien qui a peut-être le plus de chances de gagner cette LCQ aussi. Qui est 11ème avec pas mal de points ex aequo, ouais. Je regarde un peu derrière, qui pourrait y avoir. S'il a eu le temps de réparer sa moto, je pense qu'il pourrait éventuellement gagner le LCQ. C'est parti, ça restart. Et on est parti, on va se mettre sur lui d'ailleurs pour le départ. Petit warm-up. Il est présent. Il n'est pas présent. Où est notre pilote? Julien qui n'est pas présent. Ce n'est pas grave, on va se mettre. Jérémy Patrel et ce n'est pas bon. Il peut acheter Théo Charpentier qui en profite pour faire. Oh! Qui se fait taper. Il se fait bousculer. Ouais, et ça profite à Pablo pour ce all shot. Pablo Bodino. Von Marty. Stephen. Notre Oula, vainqueur qui... de la semaine dernière du concours. Non, pas de la course. Hein. Donald Georges, 3ème. Et on rappelle que les 4 premiers sont qualifiés. Donc là, ça va aller très très vite. Même si c'est le warm-up. Ne s'enflammons pas trop non plus. Est-ce que je vais refaire une Red Bull Street Rhythm 2016 sur MXS? Bien sûr. Je sais pas, peut-être, mais j'aime bien faire des choses un peu plus enfin, qui sortent de des habitudes, comme là avec les croisements. Mais c'est vrai que refaire une Red Bull, ça pourrait être sympa, surtout maintenant au niveau des scripts, on peut être beaucoup mieux. Donc ça peut être intéressant. On verra. Mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite le prochain événement, vous n'êtes pas à en avoir un mois. Moi je fais une pause de 6 mois, de voire un an, comme la dernière fois. Et je préfère prendre des pauses et faire les choses bien que les enchaîner et que ce soit toujours pareil et répétitif. Tout simplement. Après peut-être qu'avec les gars de la team, on va peut-être organiser un championnat, on parlait de ça avec Mathias l'autre fois. Maintenant que tout est fait, c'est vrai que ça peut être faisable. Ouais, on a des serveurs maintenant, du coup. On a les serveurs, on a les scripts, on a les qualifs, on a... Ouais. Lui des grabs, on a bientôt les scripts automatiques. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on bosse beaucoup en fait. Ce qui nous prend le plus de temps là sur cette Stupid Race, ce n'est pas en fait les courses en elles-mêmes, ni l'organisation des courses, c'est tout ce qu'il y a en amont en fait avec le site, la gestion des qualifications, le debug des qualifications, traiter les demandes, etc. Et c'est ce qui prend le plus de temps.
Pablo qui a remporté ce warm-up au passage, suivi de Dorian Georges. Et Dorian qui a fini deuxième. Mmh. Depuis Atomic Factory, ils sont décidés à aller au main event. Pas. Mmh. Et où, comme je disais, c'est tout ce qu'il y a en amont en fait qui prend beaucoup de temps. Et en fait, sur ce qu'on est en train de travailler en ce moment avec Monsieur Flamin Talisquet, c'est qu'en fait on essaye d'automatiser le serveur pour limite qu'on ait juste appuyé sur un bouton au début, genre lancer la soirée et que tout se fasse automatiquement. Et ça, ça sera vraiment top. Parce que justement, les gens qui géreront la course pourront directement en fait gérer et surveiller la course. Être plutôt directeur de course que scriptographe. Donc ouais, ça risque d'être intéressant pour la prochaine course. Il y a moyen de faire pas mal de choses avec ces serveurs quand même. On est libre sur pas mal de choses, on est restreint sur d'autres. Mais ça peut être intéressant. Prochain restart, LCQ. Qu'est-ce qu'il nous a dit? T'enflammes pas trop. On est parti. On va faire son show, faire des wheeling. Du coup, bah, on va se mettre sur Pablo hein, qui a remporté ce warm-up. On ne voit rien, donc on va se mettre sur un autre pilote un peu plus loin. Voilà, Corentin, ça rend mieux. Les autres pilotes qui sont un peu trop proches pour qu'on voit bien. Parti pour 4 tours. Ouais, le LCQ c'est rattrapage en fait, repêchage. 4 tours très stressant. Martin Constant. Ok, sûr. Fun Marty, mais Martin Constant, Fun Marty pour ce all shot. Fun Marty avec son 450. Tu déchires un pontier. Oh, Théo Chine va chercher l'intérieur avec non, qui part à la faute. Qui a voulu trop titiller. Martin Constant qui tombe, Martin Constant qui tombe. Qui chute, ouais. Jérémy Patrel qui prend la deuxième place du coup. Un peu de difficulté. Ouh, c'était limite. Très chaud. Dans l'enjeu, Jérémy Patrel. Par la faute de Jérémy. Qui se retourne, Jérémy. Qui a du mal à gérer sa puissance de sa moto. Ouais. Trop plus chaud, de difficulté 450. Dans ce warm-up. Hein. Dans ce warm-up, dans ce LCQ, excusez-moi. Et oui, hein, c'est bien le repêchage. Nous avons Fond Marty qui est en tête pour l'instant. Suivi de Théo Charpentier, Dorian Georges 3ème, qui s'est attaqué par Thomas Pulandre, 4ème, et le dernier qualifié. Et Quentin Bertrand qui passe 4ème. La grosse chute dans Dorian Georges qui passe en tête. Théo Charpentier qui est tombé malheureusement. Ah, je ne l'ai pas vu, il devait être caché quelque part. Mais ouais, petite bataille pour cette première place. Fun Marty qui attaque intérieur et qui ressort devant Dorian qui se met en très très long. Merci le setup. très belle action. Ouais. Et ouais, un très beau dépassement de la part de Tom, très fair play, et ça on aime bien voir. Oh, pas touche à notre Flaming dans le chat, hein, c'est le nôtre. Fun Marty, ouais, qui grosse bataille pour cette première place. 4ème Diego Ross qui a 4 secondes derrière, qui se bataille avec Théo Charpentier. On va suivre cette bataille, ce qui est quand même plus intéressant. Tom qui a eu beaucoup de chance sur ce passage. Corentin qui va aller prendre la deuxième place. Dorian qui essaie d'assurer, on voit qu'il galère un peu mais qu'il assure. On rappelle qu'on a que 4 tours, donc une chute et ça peut directement, on peut directement rétrograder et perdre toutes nos chances. Donc on va voir un peu comment ça va se passer pour la suite. Juste derrière, on a aperçu Théo Charpentier. Il a réussi à se débarrasser de Nolan. Un autre vainqueur du warm-up qui est 7ème. Corentin qui vient de chuter, ouais. Ah, chute de Corentin. Fun Marty qui est rentré sur un dernier tour. Tour dans Georges qui chute sur ce saut dans le sable. Ah, il oublie le coup de gaz en haut. C'est très difficile. Ouais, qui a chuté. Oh! Corentin Bertrand aussi. Est-ce que ça a profité à Nolan, de passer... Nolan qui chute aussi. Diego qui chute aussi. Décidément, les gens veulent pas passer l'arrivée. Fun Marty qui chute aussi. Pablo qui va chuter. Théo Charpentier qui prend les commandes de la course. Beaucoup de chutes là dans l'espace de très peu de temps. Oula, Théo qui s'est pris un peu les ballots. Fun Marty qui fait quelques erreurs et qui passe par devant, dommage. Ouh, ça profite à Dorian. Qui assure un peu plus sa qualification pour le main event. On rappelle que qu'il n'y a que 4 places pour ce main event. Donc que les 4 premiers sur 4 tours.
que le Prévost qui est plus connu. Attends, Georges qui est toujours deuxième. On a Fon Marty qui fait Fon Marty qui a dû chuter derrière la bonne oreille, je ne le voyais pas. Profite à Corentin. Et Nolan qui se bataille en 5ème place et qui essaye de remonter. On va suivre un peu, voir s'il va réussir à remonter sur ce dernier tour. Tout peut jouer. Une chute, hein, une chute de la part de ces. De Tom ou de Corentin. Même si Corentin est un peu plus loin, mais une chute de la part de Tom et ça passe. Qu'on voit juste devant. Corentin est tombé. Corentin est tombé. Ah, Nolan qui est repassé 4. Corentin qui a chuté d'ailleurs, ouais, qui est repassé 6ème. Fon Marty qui a chuté aussi. Décidément, cet enchaînement est très difficile. Oula, oh, qui se croche. Qui va en profiter? Fon Marty, Nolan, Corentin. Oula, entrée dans le dernier tour avec beaucoup de pilotes qui... pour cette 4ème place. Ah, est-ce qu'il profite à Pablo? Nolan qui est passé tout juste. Pablo qui remonte 5ème, qui attaque dur, on le voit, qui veut sa place. Oh non, il chute. Oh, Pablo qui chute, dommage. Qui chute, à mon avis, ça va être dur de remonter. Il chute dehors. Fon Marty qui chute sur le pain de sucre. Ouais, quand Nolan qui est revenu 3. Nolan qui remonte très fort hein, dans ce LCQ, il la veut sa place, il la veut. Tom qui galère, on voit moins régulier sur ses derniers tours. Hein. Il était il roulait très vite dans le premier. Le stress, à mon avis, de la qualification. Ça passe. Ouh, qui. Oh, Fon Marty qui. Juste. Ah, il y a le stress, hein. Ça se voit qu'il y a du stress là. Voilà, il y a une place en main event qui joue. Oh là, Fon Marty, littéralement n'importe quoi. Ah, Tom a pu rendre. C'est un choix entre soit on marque maximum 3 points, soit maximum 25 points. Donc, oh. Le lapeur qui vient de block pass. Nolan. Oh, sympa ça. Est-ce que Nolan va réussir à monter? Ouais. Corentin va tranquille. Si Nolan assure bien, il devrait réussir à repartir. Et avoir sa place en LCQ. Enfin en main event. Il mérite sa place en main event. Hein. Il roule très fort. Attention à la chute. Ouh, c'est ça, juste pour lui. Bertrand qu'on voit derrière lui au bout de la ligne. Ce sera Husqvarna. Mais si Nolan ne fait pas trop de chute, ça devrait passer pour lui. Le saut de la double qui se met un peu coup. On sent les frayeurs quand même. Attention, Corentin Bertrand qui chute de toute façon. Et Nolan qui passe, c'est bon. Du coup, qui sont nos 4 valeureux vainqueurs? Théo Charpentier. Ah, bon. Théo Charpentier. Dorian Georges. Qui a fait un beau LCQ malgré tout. Ouais. Même s'il a fait un 1.21 en best lap, c'est pas terrible. On n'a pas de gros best lap. Hein, mais. Ouais, c'était régulier, on va dire. Ouais. Fon Marty 3ème qui a eu chaud et Nolan qui a fait une grosse remontée pour choper sa place. Donc franchement une belle remontée de sa part. Et notre premier déçu qui est Jeremy Patrel qui ne passera pas les LCQ qu'on verra juste après. Je vais voir un peu au niveau. Du coup Julien Touchek qui a pas passé ce. Julien Touchek qui n'a pas fait la course totalement. Julien Touchek qui était arrivé sur le serveur d'ailleurs et qui avait demandé qu'on l'ajoute et tout ça pour pas rouler. Du coup j'essaie de voir en fait au niveau du général si quelqu'un fait une bonne opération en se qualifiant ici. Tom, on va regarder dans l'ordre, ça va être plus simple. Théo Charpentier, où est-il? Théo qui doit être très loin. Sauf faire de ma part, je le vois pas dans le top 30. Non, je ne le vois pas dans le top 30. Donc, soit il a pas participé aux premières courses. Ouais, il a pas dû participer. Dorian Georges, lui qui a participé aux deux, qui est 22ème. Fon Marty. Tom Fon Marty. Je sais qu'il a participé. Mais il n'a pas dû marquer. Qui est très loin, 38ème qui a été qui n'avait pas été dans les points. On verra un peu par la suite. Petite pause avant la consolante. Et ça va être le moment de vous faire gagner un kit déco pour MX Simulator. Bien sûr, hein, si vous n'avez pas MX Simulator, ne jouez pas. C'est quand même mieux pour tout le monde. Ça m'évite de faire du tri. Je vérifie les gagnants. S'ils ont bien MX Simulator, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de triche, ça sert à rien aussi de vous inscrire plein de fois, ce n'est pas possible. Et je ferai le tirage au sort à la fin
du live, donc ce soir, hein, vous avez toute la soirée pour vous inscrire. Le concours est ici. Je vais juste supprimer les réponses pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, je vérifie. Du coup, on a l'épisode de la consolante. Donc, on dit Goros, Thomas Pulandre, Martin Constant, Pablo Godino, Quentin Bertrand, Jérémy Patrel, Maxime Rouet, Timothée Lucas et Julien Touchec. Moi, je vous envoie le lien pour le concours. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est en train de le partager à plein de monde. De toute façon, hein, plus vous le partagez, moins vous aurez de chances de gagner. Ce qui est logique. Je dirais pas vraiment de favoris pour cette première course, enfin pour cette consolante. Pas énormément de pilotes, hein. On a que 6 pilotes qui vont se battre pour cette consolante. Ça risque d'être long pour eux, 10 tours. Hugo, ton formulaire il marche pas. Il ne fonctionne pas ? Non. Ça me met. Ah oui. Concours stupide, il n'est plus possible de répondre à ce formulaire suivant. C'est bon. Normalement, ah, c'est bon. Ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai oublié de le réactiver. Moi j'ai la démo. Ah, si t'as la démo, mais tu non, pourras c'est... pas gagner le skin. De toute façon, t'as pas du ID quand t'as la démo, donc. Ouais, voilà. C'est toi qui retiens le message. Je toi. Non. Ah, ça non. Va être eux, ouais. Du coup, c'est la consolante. C'est le. Des roguets qui lancent le warm-up. Pablo, hein, qui aime bien gagner les warm-up. Qui est reparti. Qui est sans doute le favori quand même pour cette consolante. Essayer d'aller grappiller 3 petits points. Même si je crois qu'il est très loin. Hein, ouais, 24ème. Qui a refait une consolante la semaine dernière. Deux consolantes d'affilée. Qui avait réussi à faire une petite place au main event à la première. Il a marqué 5 points. Et ouais, qui remporte ce LCQ. On pourra le titrer champion du LCQ, du warm-up. Je confonds un peu, je commence à fatiguer. Champion du warm-up. Martin Constant qui ne veut pas aller à l'arrivée, hein, qui chute juste devant. Qui se dit non, je ne veux pas. Diego, juste derrière. Et Timothée Luquet. On va voir un peu comment ça se passait. C'est vrai que ça a été un peu long. 6 pilotes, malheureusement, il n'y a pas eu tout le monde qui est venu. C'est le gros défaut des Mix Simulator, des gens font les qualifications mais ils ne viennent pas. Mais bon. Je roule dans la MT Factory. Et non, je roule pas ce soir parce que je vous commente en direct les courses. Donc je pourrais pas vous commenter en direct les courses et jouer en même temps. Ce sera un peu compliqué. MX Bilbo, je pense l'acheter. J'hésite entre ça et Farming 2017. Ça a strictement rien à voir les deux jeux. Je pourrais pas te dire lui est mieux. Ça a tellement rien à voir, hein, ces deux jeux, que à toi de choisir. Ce que tu préfères et ce que tu veux pour pour ton jeu. Mais oui, malheureusement, ouais, il devrait être 12. Mais non, on a eu 6 absents. On a un petit défi. Ah, je sais pas. De Pablo ? On a un petit défi de la part de Pablo. Il a dit qu'il allait essayer de mettre un tour au deuxième en consolante. Oh. on va se mettre sur lui, alors on va suivre sa course. On va se mettre sur lui et on a dit. Que s'il y arrivait, on le mettait en finale. Bah non, ça marche pas comme ça. Ça marchera pas. Non, il n'y a pas de. Bon, je suis trop bon donc je viens. On va le laisser espérer alors. Qui ne parle même pas. Hein. Qui prend pas le départ. Qui s'est dit fuck le départ, je m'en tape. Moi je sais ce qu'il a là. À mon avis, il a dû bugger avec sa manette. J'ai le vocal de l'organisation dans mon casque, je peux dire que ça délire bien. On va se couper de la course quand même, c'est quand même intéressant. Oui. James Armstrong. Ah, pilote que j'avais dit qui était absent, mais qui est arrivé juste à la fin, je pense. Parce qu'on ne l'avait pas vu au LCQ, on ne l'a pas vu avant. Et qui risque de mettre du fil à retordre. Hein, James, ouais, je pense qu'il va gagner largement. À Pablo, ouais, parce qu'on le rappelle qu'il a fini deuxième avec un 1-8, si je me rappelle bien. Il roule très fort. Dommage qu'il n'ait pas pu arriver avant la course. Je sais pas pourquoi il a été absent. Mais ça aurait pu être un bon concurrent pour Ben.
Comme quoi, j'étais mauvaise langue quand même. Je disais qu'il était absent, et... mais non, en fait, il est arrivé, il est juste arrivé trop tard. On va voir un peu ce que ça va se passer. Donc oui, pour le moment, James qui a pris les commandes de cette consolante. Thomas Pilandre derrière, assez loin déjà, 14 secondes. Oh, qui chute, qui va profiter à Diego. Jérémy Patrel. Jérémy Patrel. J'ai eu l'info, là, visiblement, Pablo a calé au départ. Ah, il nous a fait une petite veille au poteau. Qui est déjà revenu, hein, qui est ici, je le voyais. Ouais. Pablo qui, ou qui visiblement, ne roule pas droit. Il fait des petits zigzags. Mais ouais, il a un sérieux concurrent devant lui, James, qui est déjà parti très loin, 17 secondes. James qui va sans doute s'ennuyer un peu, je pense, au LCQ. Je pense que c'est le pilote qui sort un peu du lot à la sauce du Ben au main event. Mais bon, chacun sa finale. Ah, pas très petit tank le bloc passe sur Diego. Qui loupe son bloc passe. Diego, qui passe bien. On va suivre un peu cette bataille pour la deuxième place. Pablo qui tape l'extérieur. Beaucoup de pilotes amateurs dans cette consolante. Ce qui est assez normal. Hein. Comme quoi, le classement était assez respecté quand même, le classement général. Pablo qui tente le gros enchaînement et qui bataille. Ce qui va passer, ça passe pour Pablo intérieur. Est-ce que Diego va essayer de répliquer ou... Ah, Diego qui saute sur Pablo. Pablo qui va essayer d'enchaîner, qui est déjà remonté deuxième, mais qui est très très loin. Ouais, peut-être tenter de revenir sur James, mais... Ça va être compliqué pour lui. Après, James n'est pas très chaud non plus, il vient d'arriver, donc il n'a pas l'échauffement non plus, il faut le temps qu'il chauffe. Mais il a le temps. Ah, Pablo qui chute dans l'enchaînement. Pour Peter, Jérémy Patrel. Là, on a Diego Ross. Thomas Pulandre, 5e. Timothée Lucas, 6e. Tout le monde peut participer au concours. Hein. Je réponds juste à une question qui passe dans le chat. Martin Constant, 7e. Ah, James Armstrong qui a une casse moteur. James Armstrong. Qui a dû abandonner. Du coup, Pablo va peut-être pouvoir remplir son contrat. Qui nous a signé avant, mettre un tour au deuxième. Pour moi, Diego. On va attendre un peu. Diego qui est juste derrière quand même. Hein. On rappelle qu'on a que 10 tours, on a déjà fait 3 tours. Jérémy Patrel qui vient titiller pour cette deuxième place. Oh, qui chute et qui prend cette place. Justement, il n'a pas titillé très longtemps. Ça suffit pour passer. Diego. Thomas Pilandre qui n'a pas beaucoup d'écart hein, à cette premier quart de course. Tous les pilotes sont à peu près au même endroit. Donc on a Jérémy Patrel qui essaie d'assurer un peu cet enchaînement des vagues et ça passe. On va suivre un peu Pablo, voir comment il roule sur cette consolante. Petite sortie de piste de sa part, histoire d'éviter le croisement. Ok, il a été black flag. James ouais, il a été black flag. Oui, parce qu'il était pas low 8. Ouais, niveau LCQ, donc c'est vrai qu'il avait rien à faire à la consolante. Ouais, ouais, parce que. Voilà, il aurait pu laisser le faire la consolante, il ne gênait personne. Ouais, mais ça joue pour les points, tu vois. Vu qu'il y a des points encore, ouais, il y a beaucoup de points. Ouais. Ok, mais là, il y a quand même 3, 2 et 1 point en jeu. C'est pas beaucoup, ouais, mais voilà. Ça peut faire la différence. On peut gagner une petite place. Donc, Donc oui, ça y est, les écarts commencent à se creuser entre ces pilotes. Pablo qui essaye d'assurer quand même, mais de rouler vite. Jérémy Patrel qui est deuxième. Ça m'étonnerait que Pablo arrive à mettre un tour sur Jérémy. Hein. Parce que Jérémy, on le vraiment pas trop simple. Je voulais juste voir. Thank you.
Pablo devant, Jérémy Patrel. Comme je vous disais, 6 pilotes sur 10 tours, c'est assez long quand même. Et c'est vrai que les écarts commencent à se creuser, 20 secondes entre chaque pilote. C'est Martin Constant. Ah, oh, le croisement, ils... peut-être qu'ils arrivent quand même à se croiser. Hein. Comme quoi, il faut à peu près 40 secondes entre les croisements pour se croiser. Théo Pilandre. Pablo qui commence à mettre des tours au 5e. Martin Constant qui sort dans le virage. Piste très technique pour le genre de pilote, hein, comme je disais, qui ont débuté les multimeters il n'y a pas très longtemps. Thomas Lucas qui va venir en petite bataille avec Constant. On dit que ça va jouer à la chute. Ouais. Chute de Timothée qui permet à Martin d'aller assurer cette 5e place. Même si on rappelle que les 3 premiers marquent des points seulement. Petite chute de... Oh, double chute de Pablo. Qui essaie de repartir. Mais qui n'arrive pas à creuser l'écart avec Jérémy Patrel. Mmh. Tout à l'heure, il avait quand même... il a repris quasiment 10 secondes. Il avait parié quoi s'il perdait son... pari? Oui, on a rien dit s'il perdait. Ah. C'est le plus intéressant. alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Allez-y dans le chat, dites-nous ce que n'hésitez pas à donner des avis si Pablo n'arrive pas à son défi à mettre un tour au 2e. N'hésitez pas à donner des idées dans le chat. Allez-y dans le chat. Je pense qu'on va lui faire quelque chose. Ce serait rigolo. Ouais, parce que c'est vrai que la course c'est pas très passionnante. Hein. pas que ça roule mal, hein, surtout qu'il y a des gros écarts et du coup en fait il n'y a pas de gros rebondissement ou changement de position. Comme je disais, hein, il y a minimum 15 secondes entre chaque pilote. Donc à part la Timothée et Martin qui sont une petite bataille, mais voilà, juste ici, mais rien de folichon non plus. Donc ça c'est ennuyant la course comme ça. Main Event va être quand même plus sympa à regarder. Martin qui chute dans l'oops. Timothée qui va le repasser, je pense. Donc il revient au contact quand même. Martin qui rechute bizarrement. Mais oui, déjà des gros écarts. Je crois que les gens n'ont pas compris. Si Pablo ne met pas un tour en 2e, on veut lui faire quelque chose en gros. Faudrait que vous trouviez quelque chose. Et là, il y en a qui nous a proposé sur YouTube faire une course au clavier en sensibilité 0. Ça pourrait être marrant, mais après, ça manque quelle course. Genre un TFR, ça pourrait être marrant. Ouais, c'est un TFR. Je sais pas trop ce qui se passe dans le chat. J'ai pas tous les chats, moi j'ai pas le chat de YouTube. Attends, je vais aller chercher. Où est notre Jérémy? Jérémy va passer l'arrivée. Pablo est encore loin, hein. Il lui reste plus que 3 tours. James qui a pas très bien pris son fait Black Flag, mais bon, c'est compréhensible d'un côté. T'es pas là à lui grappe, tu fais pas la course. C'est pareil sur le MF, c'est pareil dans tous les gros championnats. Donc. Ça discute dans le chat, mais on va quand même essayer de suivre la course. Mais bon, c'est vrai que. Une course avec un setup qui ne connaît pas. Bon, c'est pas très. c'est pas assez drôle. Ouais, si, alors un setup totalement bidon, avec tout à fond. Ouais. Ou... un setup aléatoire. Ça pourrait être sympa, ouais. S'il n'arrive pas à mettre un tour au 2e, il devrait mettre une. Rouler avec une moto et tenue rose fluo Barbie pendant les 2 prochaines courses qu'il fera. Même pour ça, c'est qu'il faut que tout le monde ait les kits déco, donc c'est pas marrant. Non, bah non, bah non, il met la tenue à... À Dorian. Non, à Flamy. Ah. Ça va, elle est pas rose. De celle de Dorian est pire, la rose à Dorian. Oui, c'est vrai. Celle de Christophe, elle est psychédélique.
Ou alors, faudrait l'obliger à mettre quelque chose dans son nom. Ouais. Pablo qui remonte le troisième, Diego Ross. Ouais, il va mettre à tour au troisième. Et Diego qui a 45 secondes d'avance sur... Diego, donc ça risque d'être dur. Hein. Flaming, ma tenue, elle est pas rose, elle est rainbow. Ouais. Pablo qui fait le front flip à chaque fois, dans le sable. Ouais, qui fait à chaque fois. Pas très roleplay tout ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait fait des tests, ça passe plus vite que de sauter en fait. On casse beaucoup plus le saut en faisant ça et on gagne... pas une seconde, mais on gagne quelques dixièmes. Et Pablo qui choisit de prendre extérieur ici, c'est assez étonnant alors que tous les pilotes prennent intérieur. Je sais pas si c'est plus rapide, mais s'ils préfèrent. C'est qui est marrant. Ils sont peut-être plus alignés après pour les hoops. Ouais. Et moins de chances de chuter. Ouais. Ouais, peut-être un peu plus sécurisant. Mais Pablo qui roule pas dégueu. Ouh là, tout est juste. Voilà, je veux juste voir son 1.17. Ouais, c'est pas terrible non plus, hein. 1.17 en meilleur temps au tour. On va suivre un peu Jérémy, voir ce qu'il en est. Ouais, qui passe. Ça va être dur, c'est impossible qu'il arrive à mettre un tour à Jérémy, à part si Jérémy rate vraiment ses deux prochains tours. Mais ça va vraiment être dur. Du coup, on a Diego Ross qui est troisième, hein, qui a quand même une minute de retard sur Jérémy. Ouais, et après, il y a encore une minute pour Thomas Pilandre. 47 secondes pour Martin. 30 secondes pour Martin. Non, Timothée qui avait 40 Timothée, secondes. Timothée, 54 secondes. Martin Cosso. Pablo qui perd les pieds sur son fond de flip, qui passera pas tous les tours. Et ouais, comme je vous disais, on l'avait annoncé, 6 pilotes pour 10 tours, avec un niveau aussi hétérogène. C'est pas simple à commenter pour tout le monde. Et c'est pas super sympa à regarder, mais restez présents, hein. Il y a le Main Event juste derrière, qui risque de oula, vraiment être intéressant. Il y a une troisième place en jeu, une première place, il y a tout le podium qui est en jeu sur cette course, il peut y avoir de gros rebondissements. Donc ça va vraiment être intéressant. N'hésitez pas aussi, pendant que... pour passer cette consolante à les partager sur Facebook, Twitter, Instagram, je sais pas, tout ce que vous voulez, Snapchat, le live, histoire d'en faire profiter un maximum de monde. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde de voir une petite course comme ça, d'e-sport sur MX Simulator, quand je pense qu'on peut appeler ça de l'e-sport, ouais. Et Jérémy Patrel qui est juste là, dernier tour, drapeau blanc pour Pablo. Les deux pilotes sont en train d'un dernier tour. Diego est rentré dans son... Diego n'est pas encore rentré dans son dernier tour. Du coup, il fera un tour de moins. Ouais. Du coup, Pablo qui n'aura pas réussi son défi, qui va arriver gentiment sur l'arrivée. Petit front flip et ça passe. Ça passe pas. Ah non, ça passe pas. J'ai pas fait gaffe. Mon PC qui se mettait en veille. Mon PC portable. Jérémy Patrel qui va finir deuxième du coup. Pablo qui remporte cette consolante. Jérémy Patrel qui va finir deuxième, hein, sans souci. Diego. Pablo Modino, best player ever. Diego troisième. Oui, bonsoir, oui. Ah, nous avons un invité ce soir. Ma chaîne Twitch, oui, vient d'être bannie. Je m'invite parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros problème là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est plus diffusé là. C'est encore diffusé sur YouTube, mais ouais, Twitch, je viens d'être banni, je sais pas pourquoi. Oui, service violation, ils disent. What? Oula. J'ai dit quoi, moi? Est-ce que j'ai je dit sais Snapchat pas pourquoi, c'est très bizarre, moi. A été suspendu. Ah, tu as encore YouTube? Ouais, sur YouTube, ça marche encore. Ouais, ça marche encore, donc c'est. Ouais. Ok. Ouais, non, j'arrive pas du tout à voir le live sur Twitch. Non, non, mais ma chaîne a été fermée momentanément. Comment? Parce que j'ai pas respecté les termes du contrat, what?
C'est bizarre qui a fait ça. Parce que je dis de partager sur Facebook, Twitter, Snapchat, non ? Je sais pas. Je sais pas. Non, bah non, ça... Bah non, mais je fais rien qui viole. Je fais de l'e-sport, j'ai le droit de faire de l'e-sport, non ? C'est trop bien pour... ouais, c'est possible que ouais, des personnes aient signalé la chaîne aussi. Mais signaler pourquoi ? Il faut quand même qu'il y ait une raison. Bah ouais, il faut qu'il y ait un motif, mais peut-être qu'il... Je sais pas. Bon. Mais bon, bah du coup... YouTube, hein, vous avez plus trop le choix. Je vais le marquer dans le chat. Voilà. Bon, moi, du coup, je m'éclipse. Mmh. Merci bien, Christophe. À bientôt. À bientôt. Bon, ah oui, quand je peux même plus parler dans le chat. Je peux plus rien faire. Donc, ah. Bah... Heureusement qu'on a encore YouTube. Heureusement qu'on n'est pas que sur Twitch. Je vais essayer de mettre un message, moi, dans le chat de Twitch, voir si les gens peuvent le voir. Mmh. Mix Bilbo qui a l'air de pas mal rager. Mais bon, on est parti pour une course un peu plus intéressante. Merci. Gauthier, ça a marché, toi. Thibaut Mocard qui fait... Je suis en warm-up. Ils ont oublié Théo Prévost. Thibaut Mocard pour ce all-shot du warm-up. Maxime Van Der Beek qui est juste là. Grosse bataille hein, du coup entre Florian Lambillon et Maxime Van Der Beek pour cette troisième place. Celui qui finira devant aura cette troisième place, voire plus si affinité. On verra bien. Dorian Florian qui lance un défi à Ben de rouler en 125. Je pense qu'ils ont vu que Théo Prévost a été en warm-up. Moi que les deux pilotes roulent, donc je sais. Normalement ils ont vu. Oui c'est bon, ils ont vu. Je vais leur dire. Merci bien. Pour Maxime Van... Florent Lambillon qui a remporté ce LCQ, Maxime Van Der Beek. Deuxième, troisième, Adrien Prétro, Mathias Avi, quatrième, Dorian Georges, 5, 6, Thibaut, 7, Johan, 8, Logan, Ben McLeod, que 9e, 10e, Emilien Mabru, 11e, Kevin, 12e, Baptiste, on verra ça par la suite, parce que ce n'est que le warm-up, on verra par la suite ce que ça va donner. YouTube, c'est les meilleurs. Flaming qui vient arriver sur YouTube, du coup. Ah, et Taliscor qui a publié sur Twitch, sur Twitter. Je viens de voir ça. Pour le direct. On va voir ce que ça va donner par la suite. Maintenant le warm-up. Avec Twitch, problème avec Twitch. Je sais pas comment c'est écrit. T'as oublié le T après le I. Mais c'est pas grave. À Twitch. Mmh. Du coup, c'est parti pour la finale, j'aurais dû le lancer. Je sais pas si c'était bon de ton côté. Oui, on va se mettre sur Ben, du coup. Non, mettons-nous sur Stéphane, tiens, pour changer. Où est Stéphane ? Stéphane Guido qui est ici, qui a choisi de partir à l'intérieur, pilote de moto. En plus, il va réussir à faire le shot. Voir qu'il va sortir le mieux. Attention à tomber de gris. On est parti pour le main event. Let's go ! Et gros départ de Maxime qui nous refait... Ouh, Ben. Peut-être Ben. Ben qui fait le shot, qui choisit de prendre en main directement. Le main event. Suivi de Maxime Van Der Beek qui a roulé très très fort ce soir, vraiment un très beau pilotage de sa part, qui a remporté le hit. Et d'ailleurs qui part très très fort, Antoine Delestre, Logan Touchek, Dorian Georges 5ème,
On rappelle, Maxime. On rappelle qu'il faut tenir 20 tours, donc là souvent les premières places ne veulent un peu rien dire. 20 tours c'est long, surtout sur un track là, à peu près une 10 au tour. Donc on est parti pour un peu plus de 20 minutes de course. Bon, Ben qui est parti déjà très très fort. Hein. Antoine Neles qui a réussi à les doubler Maxime. Sur le passage où c'était limite. Beaucoup de pilotes qui prennent les mêmes traces, on va suivre un peu comment Ben va rouler, on va suivre Ben sur le premier tour. Enfin, sur le deuxième du coup. Ah, Logan qui glisse. Faut oublier qui prend la quatrième place. Maxime Vanderbeek troisième, Antoine Delestre deuxième et Ben qui a déjà 5 secondes d'avance. Ouais, Ben qui est déjà parti très fort. Hein. Il a dit cette finale, moi je l'impose devant. Je voulais voir les traces qu'il prenait. Oula, j'ai eu un problème. Excusez-moi, j'appuie sur le mauvais bouton. Mais du coup, ouais, Ben qui est déjà parti très loin devant. On va suivre un peu la course là pour Antoine de la souffle, hein, deux pilotes qui glissent. Les pilotes MFG qui sont encore présents ici dans les premières places. Logan Touchek qui est plutôt bien classé au général. Hein. Ah non, autant pour moi. Je ne le vois pas. Parce que je ne suis pas sur le résultat. Forcément. Logan Touchel qui est 10ème. Donc oui, il y a une bonne opération à faire de ça, pour sa part. Hein, si on reste devant. Antoine Delès qui commence à partir hein, pour cette deuxième place. Qui roule très fort aussi. Pour cette deuxième course. Logan Touchek 3, Florian Bilon 4. En bataille justement avec Maxime Vanderbeek, je pense que ça va être la bataille de la soirée. A voir qui va réussir à aller choper cette troisième place. Et où est Stéphane Guido? Stéphane Guido 7ème. Il va remonter s'il veut pas se faire piquer sa place. Hein. Dorian qui est 6ème, hein, qui a fait un bol CQ et qui est maintenant 6ème en finale. Ouais, qui roule pas trop. Ah, qui a la pression. Ah, Stéphane qui pousse Dorian. Ah, qui prennent des traces différentes. Ouh! Ah, chute de Dorian! Maxime Vanderbeek qui a sauté au-dessus du croisement et qui a sauté au-dessus des pilotes qui prenaient le croisement. C'était beau à voir. Je pense que les photographes ont dû se régaler sur ce saut. Trois pilotes ici. On a Logan qui a rejoint le petit groupe. Deux pilotes MFG et Maxime Vanderbeek, je ne sais pas dans quel team il est. Mais je dois avoir chez son petit déco, donc il doit être dans une team. Moi je sais pas, je crois pas vous dire. Du coup, Logan qui est reparti un peu plus devant, Maxime Vanderbeek qui est passé devant Florian Bilon. Donc pour le moment, mathématiquement, c'est Maxime qui ferait cette troisième place. Ah, Logan qui fait une petite glissade, après l'arrivée. Rien encore joué, rien encore joué. On va le suivre un peu, voir comment il va rouler, s'il va tenir le rythme du 8-1 ou du 8-2, je sais plus, mais bon, sur 8. On va bien voir. T'essayes d'être RP, mais ton track n'est pas RP. C'est le but. Rajouter du fun dans le côté sérieux de MX Simulator. Maxime Vanderbeek. Très très fort hein. Logan Touchek qui est juste derrière lui quand même hein. On va rester un peu sur ses pilotes, voir comment ils vont se décanter, si un de ses pilotes va réussir à se démarquer de l'autre. Mais c'est vrai que ces deux pilotes qui ont vraiment une vitesse à peu près égale et qui roulent tous les deux aussi vite, ça peut être intéressant hein. Ouh, Logan qui perd le pied. Maxime en profite pour partir le vent. Et Florent Lambillon qui passe quatrième. Ben qui s'est toujours pas trop détaché hein, qui a que 5 secondes sur Antoine. Qui est juste ici, qui a juste une ligne droite d'avance. Qui a dû être gêné par quelques lappeurs je pense. Et c'est vrai qu'on arrive très très vite dans les lappeurs. Faire attention. Oh, un petit cours de sa part. Ça passe bien. Toujours hein, la même bataille ici. Entre le même pilote. Ah non, c'est Maxime Vanderbeek qui est remonté sur Antoine Delestre. Antoine qui se rate un peu ou qui arrive à revenir tout juste, mais ça passe.
Mais ça roule très fort là devant, ça roule vraiment, vraiment fort. Non, Ben est en 4,50. Non, Ben n'a pas pris 45. Oh non. Il y a des pilotes MFG qui suivent. Juste derrière, on a le premier pilote MT Factory, Mathias Savi, pour la 6ème place, qui est pas mal revenu, hein, qui a pris un départ un peu plus dans l'ombre par rapport au hit 2, au round 2. Oh là, qui glisse un peu. Stéphane Guido qui a vraiment du mal, il est seulement. Ouais, qui a du mal à se mettre dedans, hein. Il le stresse pour sa 2ème place. Mathématiquement, il est 8ème. Je pense que mathématiquement, il est encore 2ème, mais si Maxime Van der Beek ou Florian arrive vraiment à remonter, voire une 2ème place, ça peut être intéressant pour eux. Hein. Il y a une opération à jouer là pour le moment. C'est vrai que Stéphane a du mal à se mettre dans sa course. On a l'habitude de le voir un peu plus dominer quand même ses adversaires. Et ouais, pour le moment, Ben McLeod qui est parti pour faire le grand chelem sur cet événement et gagner les 3 d'affilée. Ça pourrait être intéressant à voir. Couche derrière, on a Clément Vasseur en 9ème position qui roule plutôt pas mal, hein, pour son retour. Qui arrive vraiment à assurer ses traces. Malgré qu'il y ait du très très beau monde dans cette course. Thibaut Mocard qui a réussi à rentrer son main event cette semaine. Qui est actuellement 10ème. 11ème, on a Johan. Oh, qui choisit intérieur. Ça c'est étonnant. Souvent on a plus tendance à prendre extérieur pour c'était en double. Qui va se prendre d'ailleurs un tour par Maxime Van der Beek. Non, par Antoine Delest, excusez-moi. Dans Georges qui est reparti très loin, qui a fait un très bon départ, mais qui est actuellement 12ème, qui a perdu pas mal de place. Dommage. Adrien Prietro, qui est 13ème, Kevin Meyer 14ème, non 15ème, excusez-moi. Théo Charpentier qui est seulement 14ème. C'est quoi? Théo Prévost qui est seulement 14ème, hein, lui qui a d'habitude plus dans le top 10 quand même. Il y a de plus devant et c'est vrai qu'on le voit souvent même dans les d'autres courses style EMF etc. C'est vrai qu'on a plus de souvent l'habitude de le voir devant. Donc j'ai tâté au Charpentier qui est 17, 18. On a d'autres Nolagne qui se débrouille mais qui allait chercher ce main event. Hein. Il voulait, il l'a eu. Donc tant mieux pour lui. Von Marti qui est très loin, 20ème le dernier, mais pour le moment pas de casse moteur, mais ça c'est intéressant. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est la bataille pour la 4ème place. Je pense qu'on sera tous d'accord entre Logan et Florian Lambilon. D'ailleurs, Florian qui est passé. Ouh, Logan qui fait des gros enchaînements et ça passe par au-dessus pour Logan. Oh non, un peu long. Ça a vraiment été un beau dépassement, sinon, mais il s'est choisi. Enfin, il a choisi. Entre guillemets, mais il s'est mis pas mal long. Maxime Van der Beek qui est passé deuxième, hein, qui a doublé Antoine Delest. Ouais, il la veut sa troisième place, hein, voire la deuxième. J'essaie de le trouver, qui est ici. Qui a fait une grosse remontée, hein, qui roule plutôt bien. Son panneauteur a dû lui dire, hein, let's go, let's go, let's go. Parce que ouais, mathématiquement, ça peut se jouer, hein. Stéphane Guido 7ème. Ben qui fait beaucoup de chutes, là. Ouais, Ben qui a du mal avec cette course quand même, comme quoi les mêmes techniques pour des très bons pilotes. Maxime est assez loin quand même, 20 secondes, mais c'est vrai que Ben on a l'habitude de le voir plus régulier que ça. Antoine Delest qui est un peu gêné par Dorian Georges, la peur. Non, qui veut pas céder sa place, un hein, drapeau bleu Dorian. T'as la caméra, surtout qu'il est en bataille en plus, hein. Antoine Delestre avec Florian Lambilon. Florian Lambilon qui est passé justement. Antoine Delestre qui a perdu pas mal de place. Il était deuxième il y a à peu près deux tours. Et le voici rétrogradé à la 4ème place. D'ailleurs on a Mathias Savi qui bataille avec Stéphane Guido. Un lapeur entre les deux. Stéphane Guido va réussir à passer de la peur. Oui, il est passé sans souci. On va suivre un peu comment Mathias roule cette course.
très long saut sur le saut de sable, Mathias. Tous les pilotes choisissent de prendre à fond. Hein. C'est plus rapide que de le freiner et d'essayer de l'amortir. Ouais, mais ce saut est quand même assez piégeant. Hein. Mm. On a vite fait de partir sur l'avant. Ah, Stéphane Guido qui est vraiment pas dedans ce soir. Hein. Ouais, qui a du mal à... Et puis à devenir moto là. Il a du mal à se lâcher. Hein. Il a du mal à trouver son rythme, à trouver ses traces. Ouh, il se met vraiment des touches juste. Hein. Après, il enchaîne des gros enchaînements avec son 250. On va suivre un peu cette bataille. Il est revenu pas mal sur Mathias Avi. Ce qui va réussir à le passer. Parce que là, Stéphane, faut qu'il assure les points. Hein. Même s'il peut pas aller chercher sa deuxième victoire, deuxième place. Même s'il y a encore 10 tours, mais ça va être dur à remonter quand même. Faut qu'il assure les points. Pour garder sa deuxième place au général. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il... Non, il rechute. Il repère les pieds bizarres. Ouh, Mathias Savi qui est passé tout juste en ce croisement. Il a dû avoir chaud. Mais c'est passé. Stéphane Guido qui a chuté. Oh, Mathias Savi qui rechute. Est-ce que Stéphane Guido va réussir à passer? Je pense que Stéphane va passer. Stéphane est passé intérieur. C'est passé pour Stéphane. Qui enchaîne son 11e tour avec une petite place de plus, 6e. Mathias Savi, du coup, 7e. On va suivre cette bataille, hein, c'est intéressant. Les deux pilotes sont vraiment collés. Mathias Savi qui est lui actuellement assez loin. Non, 6e au général, donc il y a aussi une bonne affaire à faire pour lui. Ici, il essaie de gagner un maximum de points. Il faut essayer de passer au général. Ouais. Stéphane Guido qui a l'air de se lâcher, mais d'attaquer un peu plus quand même. Ouais, ça y est, commence à être. Ouf, c'est passé tout juste dans ce croisement. Et c'est passé pour les deux pilotes. Et c'est ça qui est intéressant avec les croisements, c'est qu'il met pas mal de rebondissements. Hampton Dallas qui est 5ème maintenant. Ouais. Il était 2ème tout à l'heure. Ouais, qui perd pas mal de place. Hein. Ouais, et qui est pas loin de Logan. Hein. Faut dire qu'il. Ouais, 2 secondes 4. 2 secondes, hein. Secondes de Logan. Florian Bilon qui est repassé 3ème. Ouais. Faudrait qu'il arrive à remonter Maxime Van Der Beek. Et il y a encore 20 secondes, donc pour le moment c'est pas encore fait. Un peu devant Logan qui est juste là avec Antoine Delestre. On va voir qui va réussir à gagner cette bataille. Est-ce que les MFG vont remplir ce podium? Est-ce que c'est le pilote Hughes Varna? Logan a l'air d'être un cran au-dessus d'Antoine. L'Antoine a perdu par le rythme, qui a chuté. Antoine qui roule bien mais qui fait encore beaucoup d'erreurs. Comme beaucoup de pilotes, il est rapide sur un tour mais la régularité, c'est pas encore ça. C'est le plus dur dans l'accumulateur à avoir. C'est le Guido qui chute encore à cause d'un lapin. Qui a tapé sa tête contre le clavier à mon avis. C'est ça. Mathias Savi qui a repassé du coup. Passé 6ème. Je vais voir un peu comment Florian Lambillon roulait. S'il y avait moyen qu'il remonte sur Maxime Van Der Beek ou pas. Ouais, il arrive pas à creuser, à rattraper l'écart. Hein. Et puis Maxime n'arrive pas à creuser non plus. Toujours à peu près une quinzaine de secondes d'écart entre ces deux pilotes. Ben McLeod qui a que 30 secondes, mais bon, il est toujours en tête, c'est le principal. Hein. Bon, ça roule à peu près bien pour ces pilotes quand même. Je serais curieux à voir au niveau des temps autour. Ouais, une 9 pour Florian, une 9 pour Maxime, une 5 pour Ben McLeod, comme quoi il est quand même au-dessus du lot. Ouais. D'ailleurs, on va se faire un petit tour en caméra embarquée sur Maxime, car on va pas se mettre tout le temps le même pilote. Caméra embarquée sur Maxime. On va voir ce que ça donne. Pas de soucis au niveau des oups. Là il fait triple, il fait quadruple derrière. Ouh, un peu court mais ça passe pour le triple. Toujours impressionnant de voir ces caméras embarquées quand même. Oh, petit raté ici sur le saut derrière la table. Maxime qui doit avoir un comment ça s'appelle
Max Lap Speed assez faible, car il sort pas souvent le pied. Ah voilà, ouais. Il sortir, mais à mon avis, il est assez faible. Ça, c'est vraiment particulier à chaque pilote. Voir comment on préfère jouer. Certains sont plus faibles, d'autres élevés. Enfin, vraiment, des personnes. Ah, qui glisse. Oui, je regarde le chat, mais je vais pas dire bonjour à tout le monde. Ça fait un peu bizarre dans une course commentée. Ouais, oh. Maxime, tu vas mettre un tour sur Mathias Savy ou qui fait tomber. Mathias qui fait d'erreur. Peut-être profiter à Florian de remonter. Il est encore assez loin, hein. Encore une vingtaine de secondes. Il n'arrive vraiment pas à combler l'écart. Hein. Ça passe pour Florian. Il était un peu gêné, mais ça passait parmi les lapeurs. Ouh, un peu large du coup. Mais ça passe. Le game qui est pas loin de Florian quand même. Il est revenu. Il se fait gêner par les lapeurs. Pas si. Pas se pousser là. La maladie des simulateurs, les lapeurs. C'est un Théo Charpentier qui veut pas se pousser hein, visiblement. Mm. Théo Charpentier qui va se prendre un black flag si ça continue. Oh, ça a touché dans le croisement pour Logan. Ah, ça touche qui a touché Antoine Delestre, donc qui a touché le cinquième. Il est pas mal d'avance et Antoine n'a pas bougé, mais Logan a été pris juste la roue avant. Quoi le faire chuter. Florian, pas trop de bataille dans ce main event. On a connu des main events un peu plus avec un peu plus de rebondissements, mais pour le moment, tant mieux pour ces pilotes. Hein, vraiment une belle course de la part de Maxime Van Der Beek. On attendait plus Stéphane Guido à cette place, mais. Comme quoi on n'est jamais à l'abri d'une piste à l'autre. Parce que là on a vraiment passé 6ème. Très beau pilotage de la part de Maxime. Ouh, et je dis ça et il chute devant le mur. Et oui, je réponds à une question qui m'est posée aussi en commentaire sur YouTube. Non, les pilotes ne voient pas quand je mets ma caméra sur eux. Hein. C'est pas pour ça qu'ils chutent à chaque fois qu'on les regarde. À part s'ils ont live, mais du coup ils ont live en décalé. Mathias, je disais tout à l'heure Stéphane Guido qui est repassé 6ème. Ouais, qui est passé 6ème et qui a pris de l'avance. 20 secondes de retard. Ça va être dur à combler. On est à 16 tours, il reste 4 tours avant l'arrivée. Ça peut encore se jouer, mais c'est tendu. Florian Le Bilon qui. Ouh. Florian qui va mettre un tour au 7ème. Mathias Savy, ça passe pour Florian. Les deux pilotes Suzuki qui se suivent. Pour le moment, pas de grosse bataille. La seule bataille qu'on a eu, c'est pour la 15ème place. Entre Adrien Pietro et Théo Prévost. Oula, excusez-moi, je suis parti dans le sens. Maxime Van Der Beek qui est ici. Ouh, Florian qui remonte sur Maxime. Florian qui est revenu à moins de 10 secondes maintenant. Ça peut être intéressant. On va suivre Maxime. Si Maxime chute, ça peut revenir. On a une casse moteur de la part de Dorian, je crois. Ouh, Ben qui vient de taper dans le croisement, juste devant Maxime. Est-ce que Maxime va réussir à suivre? Il est parti devant là. Maxime, qui est un peu gêné par les lapeurs, mais ça passe sans souci pour lui. Flank a dû chuter, il est reparti à peu près 17 secondes. Dommage pour lui, il était bienvenu sur Maxime. Mais je pense que Maxime le veut, sa place. On va suivre cette course. Comment ça se déroulait. Voilà, Florent qui esquive la lapeur. Mais... De justesse. De justesse, hein. Antoine qui revient sur. Sur Florent. Pas très très loin, hein. Ouais, qui est revenu à 9 secondes 4. Mais c'est vrai qu'il y en a des gros écarts quand même. Le game to check a une casse moteur. Ouais, c'est ce que je voyais sur le leaderboard, il n'y a plus d'écart. Casse Potter pour Logan Touchek. Stéphane Guillaume qui passe 5ème. La famille Touchek a du mal avec leur moto. Hein, les MFG Team, je pense que la Suzuki, ils ont eu un problème de réglage au niveau des. Avant la course. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de casse moteur de la part de leur moto. Je pense que le mécano, ça va gronder.
Du coup, Stéphane Guido est cinquième. Hein. Ouais, qui remonte, qui va pouvoir assurer sa. Pour le moment, qui assure sa deuxième place. Ouais. Une cinquième place, pas de soucis. Je dis, on a Florian Lyon qui vient de glisser, qui aura pas réussi à combler cet écart. On a 18 tours, ça va être dur de monter maintenant. À moins des grosses erreurs. Mais. Ben McLeod, j'ai pas vu, qui est parti très loin, qui, ça y est, qui est parti à une minute devant, d'avance. Et qui est en train d'arriver sur. Qui est ce pilote Florian Lambilon. Ouais, à mon avis, Ben qui vient mettre un tour sur Flo. Je ne sais pas où est parti Florian, mais ça y est, c'est fait. Ben, ouh, la grosse chute dans ce virage. Mais oui, Ben qui met un tour au troisième, donc ça y est, il a réussi à se mettre dans sa course, 65 secondes d'avance. Oula, je sais pas trop comment il est reparti, mais il est reparti. Et ça y est, il a eu du mal à se mettre dans sa course, mais il s'y est mis, on l'a pas trop suivi. Et ça y est, hein, il est entré dedans, il a la victoire à portée maintenant, ça va être dur de le rattraper hein, pour Maxime Van Der Beek. Et 5 dans un côté pour Maxime, ça l'a aidé à faire une bonne course. Il savait qu'il pouvait pas remonter sur Ben, fallait juste assurer et bien rouler. Il y a moins l'impression que quand on sait qu'on peut remonter, je pense. Florent Albion qui était quand même revenu sur Maxime, qui vient d'être gêné, qui perd pas trop de temps. Antoine Delestre hein, qui est pas loin de. Qui est pas loin de Florian Bilon, une petite dizaine de secondes. Antoine qui rechute à cause d'un lapeur. Ah, Antoine. Ce numéro 300, si j'ai bien lu. 100. Emilien Mabru qui vient de faire chuter Maxime Van Der Beek. Maxime qui vient de se taper le poteau. Le frontal. Ah. Est-ce que ça serait le tournant de la course? Florian Lambilon, le duel qui s'engage dans cet avant-dernier tour. Les deux pilotes qui se tapent. Accrochage. Maxime qui va repartir avant, qui a pas perdu les pieds. Perd pas le pied. Et Florian qui se fait emboîter par les lapeurs. Tournant de la course, un gros erreur de la part de Maxime Van Der Beek. Le croisement qui passe pour Florian. Ça s'annonce du rebondissement, on s'y attendait pas à ça en fin de course. Il y a une troisième place au général en jeu quand même, faut pas l'oublier. On va suivre un peu Maxime. Une erreur de Maxime et c'est Florian qui en passe. Une erreur de Florian et Maxime conservera. Ouh, qui est un peu gêné par ce lapeur. Tom Van Marti, si je me rappelle bien au niveau de son casque. Mais on le voit en fond, Florian, qui doit avoir le couteau entre les dents là dans ce dernier tour. Florian qui est juste. Ah, Florian qui se met court sur l'enchaînement, qui loupe son enchaînement. C'est vrai qu'il a tout à gagner là, il a rien à perdre. Faut attaquer. Maxime lui a tout à perdre. Ses pilotes sont rentrés ex aequo hein, au niveau de ce round 3. Celui qui, comme je disais, hein, celui qui remporte devant, qui finit devant l'autre. Ah, ça Ben qui chute, Ben qui chute, peut-être que Maxime va réussir à reprendre à faire son dernier tour. Ouais. Peut-être, ouais. Ben qui repart, juste devant Maxime. Ouais, est-ce que Ben va mettre un terme à ce duel? Ce serait intéressant que Ben tombe pour qu'on ait un tour de plus. Mais après, le problème, c'est qu'il faudrait que Florian passe, mais ça va être compliqué. À mon avis, Ben va venir remporter Florian qui main chute. Event. Et voilà. Ben McLeod qui nous aura fait le grand chelem. 3 victoires, 3 courses, 3 victoires. Maxime Van Der Beek qui vient prendre de justesse cette troisième place au général. Donc on a notre podium hein, final. Ben McLeod, Stéphane Guido et Maxime Van Der Beek. Florian Billon qui a fait une belle course hein, qui a vraiment voulu avoir cette place, qui a pas réussi à remonter. On va voir au niveau des pénalités, ça peut jouer au niveau des pénalités, mais ça m'étonnerait quand même, il y a 8 secondes d'écart. Faudrait que Maxime ait vraiment roulé dégueulasse pour qu'il se prenne 8 secondes d'écart. Et bon. Quatrième, on a Antoine Delestre. 5e Stéphane Guido. 6e on a Thibaut Mocquart qui va venir finir, qui a fait une belle course quand même Thibaut Mocquart. 6e. 7e Mathias Avi qui a perdu quelques places sur la fin. 8e Emilien Mabru qui a bien roulé aussi. 9e Baptiste Serranon. Petit nouveau qui est arrivé qui a fait une belle 9e place. 10e on a Clément Vasseur qui a pas roulé trop dégueu pour son retour. 11e Kevin Meyer. 12e Théo Prevost. Adrien Pietro qui a du mal à repartir, je le cherchais mais il était caché par la bosse. Qui va aller finir gentiment 13e. 14e on a Théo Charpentier, pilote Yamaha Star Trax. 15e on a Nolan qui a fait une belle course hein.
qui a vraiment mérité sa place au main event. 16e, on a Logan Touchek. 17, Tom Von Marty. 18, Dorian Georges. 19, Johan Letestu. 20e, Florian Corhumle. Et pas de 21e, vu qu'il n'y a que 20 pilotes. Donc, bah, félicitations. Oula, ça bug un peu. À Ben pour cette victoire. Félicitations à Stéphane Guido pour sa deuxième place. Et belle bataille de la part de Maxime Van der Beek, qui voulait sa troisième place et qui l'a prise. Je contacterai les gens qui ont remporté des lots dans cet événement en mail, ce sera plus simple. Je tiens à remercier encore nos partenaires, sans qui il n'y aura pas autant de lots. 24MX, Just For You Perso et MXS Design. Merci à eux. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Merci à toi, Gauthier. D'avoir. Avec plaisir, hein, de commenter. Commenter ces trois courses. Ces belles courses, cette belle finale. Au plaisir de te revoir peut-être dans un meilleur studio pour la prochaine course. Oui, avec un meilleur micro aussi, je pense. Mais ouais. C'est prévu pour la prochaine saison de la Stupide Race. C'est prévu. S'il y a une prochaine saison. S'il y a une prochaine saison. Ouais. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Je vais essayer de voir. Pourquoi il n'y a pas eu Twitch, des trucs bizarres. Mais ouais, on ira voir. C'est quoi ces histoires de casse moteur? En fait, c'est ce qu'on dit pour des gens qui ont déconnecté, histoire d'être un peu plus roleplay. Ouais, c'est, mais, ça évite de dire que Dorian rage quitte et casse sa manette. Et ouais. Ben McLeod qui a réussi à mettre un tour au deuxième. Et oui, c'est vraiment un monstre, il a vraiment roulé très fort. C'est pas un pilote pro pour rien. Et ça se voit qu'il ça roule très très fort. On l'accuse de shit dans le chat. Le tirage, je le ferai juste après. Je vais couper là, je vais mettre les résultats en ligne et je ferai le tirage juste après. Vous serez sur la chaîne secondaire ou sinon sur Facebook et Twitter. Je l'annoncerai sur Facebook et Twitter. Donc, n'hésitez pas à me follow dessus. Merci à vous. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais aller m'occuper des résultats. 22h45. Et bonne soirée. Ciao, bye bye. Au revoir les gens. Et bonne soirée.